Thank you.
Alors soulagement et plaisir. Un peu compliqué parce que tout le monde arrive un peu au compte-gouttes. Ouais. Mais... même physiquement, ça fait un moment qu'on n'a pas couru tout ouais. ça. Physiquement, on galère un peu, mais ça va encore. L'envie et puis la motivation. Bien. Moi aussi, je vais dire deux mots du coup. C'est le travail et l'ambition. Alors match très intéressant, match dont on avait besoin. On a eu un match très difficile mercredi dernier contre le COB, un match un peu plus facile contre Neuville-en-Ferrin. Donc là c'était une équipe à notre niveau et on avait besoin d'un match comme ça. Donc encourageant et puis on est sur une phase de progression. Je dirais plaisir et solidarité. On a joué ensemble, on a joué collectif, mais on sait qu'il nous reste des choses à travailler pour revenir plus forte lors du début de la saison. Okay. Ouais, je rejoins un peu ce que Léna dit, il y a beaucoup de choses à retravailler. Et voilà, on ne peut pas tout gagner, on ne peut pas faire de match parfait, mais voilà, il reste beaucoup de travail à faire, on vient de reprendre, ça fait un moment qu'on n'a pas joué, donc beaucoup d'erreurs. On va retravailler tout ça pour essayer de commencer la saison correctement et la finir correctement. Si ok. Bah, moi je dirais qu'on a été trop gentils. Donc déjà faire une saison pleine et puis profiter, prendre du plaisir, avoir une bonne cohésion au sein de l'équipe. Progresser, ouais, et prendre du plaisir. Ok. Bah les souhaits sont clairs, gagner, être ensemble et jouer comme d'habitude avec notre cohésion et notre bon jouer. Le travail, mais ouais, l'objectif ça serait bien de créer une équipe R3, donc de terminer premier en région serait idéal. Après, on rencontre de grosses équipes, donc ça va pas être facile tous les week-ends. De gros déplacements le matin, donc ça va être compliqué, mais ouais, je crois en elle et il y a moyen qu'on arrive à atteindre l'objectif en 27 ans.